Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il faut que je vous parle en mal de showroom privé. Et on va commencer par Brandalé. Je vous ai déjà parlé de cette marque dans mes dernières vidéos soldes. C'est les ventes privées de chez Leclerc. J'ai été faire un petit tour. J'ai trouvé 2-3 trucs, donc je vais vous les présenter. Donc je me souviens plus du prix, mais je vous les mettrai sur l'écran comme d'habitude. Donc j'ai pris 3 articles, hein, donc le site c'est ça, Brandalé, donc je vais les chercher dans mon centre Leclerc au point photo. Voilà, donc j'ai pris, alors comme je n'ai plus de four, je me servais énormément du minuteur qui était sur le four pour faire cuire du riz, des pâtes, de tout. Et donc comme je n'ai plus de four, qu'il est parti à la déchetterie, que j'ai pas les moyens de m'en acheter un autre, j'avais plus de minuteur et ça c'était juste pas possible. Donc je m'en suis racheté un sur le site. Alors c'est marqué spécial réfrigérateur aimanté, pratique, facile d'utilisation. Donc on ne pouvait pas choisir le modèle, donc on recevait au hasard. Et donc c'est un légume. Voilà, donc ils sont encore emballés, hein, voyez, je vous attendais. Et voilà, donc c'est quelque chose d'aimanté que je vais pouvoir mettre, oui, pourquoi pas, sur le frigo. Et voilà, je pense que d'utilisation, il est relativement simple. Et ça va parfaitement bien dans la cuisine au niveau du design. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc pareil, au niveau de la couleur, j'ai pas choisi. Donc c'est un distributeur de sacs. Donc peut contenir jusqu'à 40 sacs. Fixation incluse, donc ou à coller. Il y a 4 adhésifs double face inclus. Ou à accrocher avec 2 vis et chevilles incluses. Donc je sais pas comment, voilà, les chevilles elles sont là. Je ne sais pas, je pense que je vais coller au double face parce que c'est pas lourd, il n'y a que des sacs. Donc voilà, petit distributeur à sacs, c'est un petit peu le bordel dans moi, dans mon coin sac, dans ma cuisine. Sachant que des sacs poubelles, je n'en achète pas parce que lorsque j'avais une boutique sur internet, j'avais acheté des sacs quand je faisais des réunions chez mes clientes. Et je me retrouve avec un carton de 1000 sacs encore, enfin bref. Donc voilà, il faut que je les utilise avant d'acheter des sacs poubelles. Tant vous dire que ça va me faire encore, je pense, quelques années. Donc je me suis dit que ce serait plutôt cool de les mettre là-dedans. Ça fait tout de suite moins de bordel et ça prend beaucoup moins de place. Donc voilà, il est noir, bah pourquoi pas, parce que ma cuisine, elle est, de toute façon, les portes des meubles sont noires, et puis de toute façon, au pire, ça se repeint. Ensuite, un produit que je voulais m'acheter depuis longtemps, donc que j'ai reçu en rouge, c'est un cuiseur de riz au micro-ondes. Donc le riz, c'est hyper long à cuire, ça on le sait. Et donc je vous lis, spécial micro-ondes. Donc passoire intégrée, plus couvert, plus 4 clips. Spatule pour remuer et servir le riz, semoule quinoa. Voilà, donc je vais l'ouvrir parce que je vois qu'il y a un petit livret à l'intérieur. Donc on l'ouvre en rabattant comme ça les petits clapets. Donc à l'intérieur, on a le couvercle. Après, niveau passoire, je vais pas utiliser, je pense pas, bien que ce serait quand même assez pratique de refermer ça et de verser comme ça, ça évite de salir une passoire, c'est vrai. Donc la spatularie, donc une spatularie, une queue de marmotte on appelle ça, ou également, mais voilà, c'est une spatularie. Et donc on a le petit livret, et au niveau du litrage, donc on a 2,5 litres, donc ce qui permet quand même de faire pas mal de riz. Et donc on a les doses derrière, le riz basmati, c'est le riz que je consomme le plus, 2 doses de riz pour 2 doses d'eau, donc la même quantité. On fait cuire donc 15 minutes à 450 watts. Ah oui, donc faut pas le mettre à fond le micro-ondes, hein. Et donc temps de repos 2 minutes. Voilà, et il vous aide pour la première fois, il y a le mode d'emploi, les précautions d'emploi, etc. Donc plutôt pas mal. Franchement, pour le prix,
pour le prix plutôt pas mal. En plus c'est du plastique qui a l'air quand même solide et ça permet de faire cuire du riz rapidement, facilement. Voilà, moi je suis pas contre la cuisine au micro-ondes, bien au contraire. Donc je suis bien contente de ma petite commande chez Brandalé. Et donc on passe tout de suite à ma commande showroomprivé.com. Donc si vous me suivez sur Facebook, il y a environ un mois, j'ai posté une commande que j'ai passée sur showroomprivé.com de plusieurs articles en format voyage. Donc la marque c'est... donc vente privée Aquarius, voilà c'était ça, Aquarius. Donc j'avais pris trois crèmes hydratantes main et corps de 50 ml, une crème anti-âge main et corps, une crème anti-âge main rose, un gel douche hydratant, un gel douche anti-âge, un gel douche hydratant, bref, j'avais 8 produits pour 9 euros, 9,94 euros avec les frais de port. Et quand j'ouvre mon carton, je vois 3 produits. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont rembourser la différence? Puisque de toute façon, quand il y a une vente, il faut qu'on attende que tous les produits soient vendus pour que... Enfin, non, il faut attendre la fin de la vente pour recevoir les produits. Et je me suis dit, peut-être qu'ils n'ont pas eu assez, mais dans ces cas-là, ils n'ont pas su gérer le stock et ils m'ont pas prévenu. Et moi, j'ai été prélevée des 9,94 €. Donc, j'ai envoyé un courrier réclamation chez Showroom Privé qui m'ont dit, oui, c'est pas grave, on va vous rembourser. J'ai dit, non, non, si, c'est grave. Moi, je travaille pour un service réclamation. Franchement, tu me fais pas ça deux fois, ma fille. Donc, elle a fini par comprendre quand j'ai commencé à parler de médiateur, etc. Elle a commencé à comprendre, donc... Elle m'a dit que je serais remboursée de tout ce que je n'avais pas reçu et que j'aurais un bon d'achat sur le site. Donc voilà, ça c'est un geste commercial. Quand on fait une boulette, enfin quand on a des gens qui voient 8 produits sur le bon de commande et qui ferment le carton avec 3 produits, non. Pour moi c'est une faute professionnelle. Showroom Privé est responsable des prestataires. Donc à partir de ce moment-là, ils prennent leurs responsabilités. Je vous parle quand même des produits, donc c'est des formats voyage. Donc au niveau des gels douche, j'ai reçu celui à l'aloe vera et celui à l'huile d'argan. Voilà, donc je les ai pas testés, hein, je les testerai évidemment. Et puis j'ai reçu la crème pour les mains à la rose. Voilà, bon des crèmes pour les mains j'en ai plein, hein, mais voilà, j'avais envie d'essayer cette marque-là. Et puis bah tout le reste, ça va m'être remboursé. Donc voilà. Il faut que j'envoie par mail les détails de ce que je n'ai pas reçu pour être remboursé. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais recevoir le remboursement. Après, je vais voir le bon d'achat. Parce que franchement, quand on attend pendant un mois une commande de 8 produits, qu'on n'en reçoit que 3 au bout d'un mois, c'est moi j'étais colère. Hein. Donc voilà, bah, je verrai bien ce que ça donne, je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, c'est la deuxième fois que je commande chez showroomprivé.com. La première fois, je n'ai eu aucun problème. Là, voilà, donc un prestataire qui n'a pas su faire son travail. Bref, c'est fait, tant pis, je vais attendre le remboursement. Ça m'empêchera pas d'aller sur le site, mais s'il y a de nouveau un problème comme celui-ci, j'arrêterai. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.